Si pour laisser du... Nous sommes à Imola. Je sais pas où j'ai mis mes gants. C'est un petit peu le bordel en ce moment. C'est pas grave l'équipe. Souhaitez-moi bonne chance. Là, nous sommes en mode linéaire, maintien de l'horizon. Course principale. Nous sommes en Formule 2. Bienvenue à vous pour cette nouvelle manche du championnat de Formule 2 ici à Imola. J'adore Imola. Magnifique circuit. 25 degrés, temps dégagé. Le circuit d'Imola s'étend sur 4,9 km et est composé de 19 virages. 9 à droite et 10 à gauche. Il a pour particularité d'être l'un des rares circuits. Allez, découvrons la position des pilotes au départ de la course. Grid départ, on va voir, on décolle combien. Et nouveau pilote, c'est moi. Part à ses côtés. En ce qui concerne le reste de la grille, souhaitez-moi bonne chance. Denis Hauger. Bon les gars, bonne chance à vous. Ici Alex Jack, depuis la cabine des commentaires, et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Mercedes, le champion de GP2 2012, le grand Davide Valsecchi. Davide, que se passe-t-il dans la tête le des pilotes grand champion. Ces pilotes ont le même rêve. C'est pas grave. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans le top 10. Ok, comment c'est la course. Encore une arrivée dans le top 10, entendu. Évidemment, nous sommes en voie de manuel. On va laisser chauffer les pneus. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère qu'ils vont réussir à me suivre. Une 41, on va essayer de mieux faire.
boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. On va essayer de les distancer un petit peu. Faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. J'ai entendu les coups pour pas lâcher. Bien joué, tu as assuré. Je suis sûr que le boss sera content.
va se créer un nom de pilote. C'était chaud. Bon, on lui a laissé être premier. Ouh là là, c'était chaud. Réma l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Et voici le petit réglage du G29. Selon vous, avez aimé cette vidéo. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je crois que c'est à sa bonne gestion des pneus qu'il doit sa victoire. On est arrivé. La cérémonie du remise des prix va bientôt commencer, car je vois les pilotes qui s'avancent vers le podium. On le voit. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Mais l'avantage du pilote leader au championnat quoi. Vient de se réduire après cette course Salut, particulièrement difficile. David Evalsé.